Salut, aujourd'hui on va voir tous les différents instruments de la famille des trompettes. Regardons ça. Voici donc les instruments que j'ai pu réunir pour vous. Alors, ici nous avons une trompette piccolo, la plus petite des trompettes, qui peut être en si bémol ou en la. Celle-ci, c'est une Scherzer modèle 8112. Ensuite, nous avons un cornet à piston. Le cornet à piston, ça c'est un Getzen Eterna. Ensuite, une trompette si bémol. C'est une Spiri modèle Vario. Une trompette en ut. C'est une Yamaha 9445. Là, vous avez un bugle à trois pistons. Celui-ci, c'est de la marque Kon. C'est un modèle Vintage One. Ensuite, nous avons un clairon et une trompette de cavalerie. Donc vous voyez devant vous les instruments les plus communs de la famille des petits cuivres. Bon, j'en oublie car pour les plus fins connaisseurs d'entre vous, vous allez me dire qu'il en manque effectivement. Il manque la trompette en mi bémol, le cornet en ut, le cornet long, on l'appelle aussi le cornet américain, la trompette basse, le bugle à 4 pistons, la trompette naturelle, le cornet à bouquin, la trompette à coulisses, la trompette de poche, et même s'il n'est pas considéré comme un vrai instrument d'ailleurs, et tout comme la trompette en plastique. Voilà, commençons la présentation par la trompette en si bémol. La trompette en si bémol, c'est celle-ci, c'est la grande trompette. Voilà, c'est celle qu'on entend le plus à la radio, dans tous les morceaux de jazz, de variété. Voilà, elle fait quasiment tous les styles. Bon, je vais mettre le micro. Hop là. Passons ensuite à la trompette en ut, si vous voulez bien. Passons maintenant au cornet à piston. Il est en si bémol et il est plébiscité par les professeurs pour que les jeunes élèves puissent débuter la petite embouchure. Ceci est une trompette piccolo, aussi appelée la petite trompette. C'est la trompette la plus aiguë
de la famille des cuivres. Elle est en si bémol. Ici, j'ai rajouté une pompe un peu plus grande qui permet de la jouer en la. C'est Maurice André qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse grâce à ses célèbres duos trompette et orgue. Écoutons un extrait. Passons maintenant au bugle. Voilà, moins connu que les instruments précédents, on le retrouve souvent dans les musiques de jazz pour les solos, très doux, avec un son très feutré. Et on le retrouve aussi dans les harmonies et les brass bands. Écoutons un petit extrait. Passons maintenant au clairon. On l'entend souvent pour les cérémonies commémoratives, avec la sonnerie aux morts, et aussi le célèbre. Et voici le dernier instrument, la trompette de cavalerie, en mi bémol. Cette présentation des différentes trompettes est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao !